Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Et cette fois-ci, nous allons dans une zone de conflit de faible intensité pour voir donc ce que cela donne au niveau de la qualité et de la quantité des ennemis. Et forcément, on se fait violenter. Et oui, bon, on va essayer de l'éviter. Oh, genre. Hop. Ah, ga. Hop là. Nous étions presque arrivés, mais non. Hop, où sont les grosses planètes? Voilà. Il va me lâcher. Alors c'était la flotte impériale, je sais pas pourquoi elle arrête pas de me violenter dans cette zone. Nous verrons bien. Bon, donc faible intensité, nous y allons, nous sommes partis, c'est parti. On va bien voir. Donc c'est peut-être sera un peu plus court, je vous rappelle que je suis toujours dans la petite partie où ça résonne beaucoup. Hop. On s'aligne. On devrait être bon d'ici quelques secondes. C'est parti. Et on va toujours reprendre la même faction, donc Scotty United si je me trompe pas. C'est ça. Wouhou, c'est la fête. Un petit eagle. Bah remarque, ça se trouve, ça sera peut-être plus... plus... comment dire. Où est-il? What? What? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? What? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que c'était que ça? What? Ils m'ont tous regardé, ils ont tiré, non? C'était quoi le bordel là? Waouh! Alors, les faibles intensités, je survis pas 3 secondes. Les fortes intensités, je survis pas face. Et, enfin, non. Dans les faibles intensités, je ne survis pas 3 secondes. Dans les fortes intensités, je ne survis pas parce qu'il y a genre 4 ou 5 anacondas ou pitons. Ok, c'est cool. Il y a de la joie, comme dirait l'autre. En plus, là, je suis trop près de la planète. Du coup, j'avance à rien. Bon, bah, on va prendre la route. On va aller se faire réparer. Allons-y. Putain, c'était violent. Je me suis fait violer les fesses. La gueule. Je m'attendais pas aussi balèze en fait. Bah, c'est un épisode qui démarre sur les chapeaux de roue, comme dirait l'autre. Putain. Putain de merde. La gueule, ce que j'ai pris. Je vais avoir du mal à m'en remettre. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre. La gueule. Comment c'était possible? C'est parti. Comment c'est possible que j'ai pu prendre autant de dégâts? Hop. Comment c'est possible que je puisse me faire défoncer à ce point par des petits? Par des fiottes. C'est littéralement des fiottes. Qu'est-ce que je suis si je me fais défoncer par des fiottes comme ça? Pourquoi? Alors ils ont dû endommager mon système de contrôle parce que je ne fléchis plus. Enfin ma vitesse ne réduit pas autant qu'elle devrait.
C'est de mieux en mieux. Hop. Approchons-nous en douceur. Demandons l'appontage. Non, c'est là. On se fait violenter. Mais alors, violenter. Hop. Ah, je me suis trompé le bouton. Bla. Je m'en vais dans le mauvais sens. Mais non, c'est pas ça. Parce que j'ai appuyé sur la souris, chers amis, désolé. Hop. Allons-y. Hop, cessez de m'envoyer des messages. Parfait. Est-ce qu'on peut se faire réparer? Merci. Ma dignité en a pris un coup. Est-ce qu'on y retourne quand même? Allons-y. C'est ici. Non, c'était l'autre. Alors. C'est parti. Alors, espérons qu'on ne va pas se faire défoncer encore une fois. Hop. Nous sommes partis, nous réduisons notre vitesse un tout petit peu pour pouvoir nous approcher tranquillement sans dépasser les planètes. Et putain, les faibles intensités, c'est aussi violent que ça? Eux, la gueule. On s'est fait violer en quelques secondes, on a perdu notre bouclier et 70% de nos points de vie. Donc soit il y avait un autre joueur. Alors, est-ce qu'on a de l'argent à récupérer normalement? Oui, oui, on a plein d'argent à récupérer dans ce système en plus, donc faudra qu'on y aille. Ici, on est toujours rang de combattant compétent. 47, ça va falloir qu'on améliore tout ça. Pourquoi pas? Allons-y. C'est parti, on s'approche, on a quelques petits lags. Oh putain. Soumission, allons-y. Oh non. Non, j'ai pas envie de me soumettre. J'ai pas envie.
C'est la flotte impériale, si c'est pour me dire ah battez-vous pour nous, pour ne rien me dire du tout. Je préfère encore ne pas me battre. Surtout si c'est pour me faire violer comme ça. Allons-y. Niveau de la vitesse, on est bon. Plus que la distance. Et nous sommes bons. C'est parti. Bon, reprenons notre Scutty United. Putain, je me fais déjà violer. Technique de la fuite. Il y a un vaisseau là. C'est un vaisseau allié ça. Ouh, un Viper. Paillettes, réacteurs, générateurs. Allez. Tu vas pas faire que lâcher des paillettes toute ta vie. T'es pas une majorette. Hop les. Il a boosté, non? Allez. Boum! C'est ce que j'ai dit à ta maman hier soir. Allez, reviens. À 2 km, j'ai l'impression que ça fait loin pour les canons. Excusez-moi. Oh non, pas le hockey. Ce serait terrible. Allez. Bien joué. Bien joué, bien joué. C'est un piton. Il semble que c'est un piton à ma gauche. Et boum. Parfait. Au suivant. 20 000. Paillettes, c'est pas grave. Merde, le générateur, je l'avais. Ah! Hop là. Oui, mais c'est rien, il est pas très puissant, c'est qu'un petit ASP. Dit l'homme qui s'est fait violenter au tout début. Allez. Si je m'approche suffisamment, je vais te griller quand même, hein, tu sais. Hein. Voilà. Hop, et on s'approche. Ouh, il a pris cher. Et reviens. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Reviens. Ouh, la vache. Je sais pas ce que je me prends, mais en deux tirs j'ai perdu un de mes boucliers. Hop, t'as plus de générateur, t'es mort.
28 000. Et ça c'était pas valable, chers amis. Coursier impérial, on y va. Monsieur a récupéré son bouclier, le salaud. Ah, c'est ce qu'il croit en tout cas. Hop les. Allez, pousse. Il revient. Ouh, c'est pas passé loin ça. Alors, si j'arrive à passer derrière toi, mon pote, c'est presque bon. Non, non, il va revenir vers moi. Non, c'est bon, il repart. Il repart, l'erreur. Merde, je crois qu'ils l'ont défoncé en fait. Non, c'est bon, on l'a eu. Bon. Oh là là, un piton. Avec un Viper. Commençons par ça. Les plus petits d'abord. Allez, bonjour l'ami. Hop, bonjour. Tu devrais passer encore plus près. Toi aussi d'ailleurs. Ah bon, c'est vrai que tu résistes pas longtemps à un feu nourri, on va dire. Hop les. Qu'est-ce que c'est là-bas, le Viper? 100% de points de vie. Tentons le Viper, chers amis. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de passer au Vulture. Voyons voir. Allez, viens. Allez. Ou le sac. Allez. Il est parti loin en une seconde, lui. Et il revient. Putain, j'arrive pas à l'avoir. Ah, il est bon, hein. Il est bon, faut reconnaître. Remettre ses balaises. C'est bon, on l'a eu. Fouh. Bon, est-ce qu'il reste Python dans le coin? Oula, ils sont tous regroupés par contre. On va les voir directement comme ça. ⁇ 22% de points de vie? Faisable. On y va.
Il me regarde. Appeler. Allez, viens. Viens, poupoule, viens, poupoule, viens. J'étais chaud en plus. C'est parti. Monte. Bah alors. Voilà. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Il y a un truc qui lui a tiré dedans, mais ça fait très très mal. Et ça a retiré. Wouhou! Et lui, là, c'est quoi? C'est le coursier? Le clipper impérial? Bah voilà, on va finir là-dessus, chers amis. Allons-y. Et boum! Bon, bah voilà les amis. Hop, on va essayer de s'échapper. On va aller à Barracking Dock. Hop. En plus, on n'a pas de problème. Bah voilà, c'est parfait. Donc sur le total, on s'est fait quand même. Attention, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Oh, on s'est fait 300 000 crédits, ce qui est valable. Je regardais le temps, à peu près en 20-25 minutes, on a fait 300 000 crédits, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va pas dire que c'était nul. C'était loin d'être nul. Même si l'arrivée était loin d'être... Enfin, le fait qu'on gagne autant était loin d'être... d'être promis vu l'arrivée qu'on a fait, quoi. Mais bon, sinon, on s'en est pas trop trop mal sorti. Donc apparemment, 30 millions de mètres par seconde, c'est 15 cc. 15 c, pardon. C'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. Alors toujours, si quelqu'un a des informations quant aux informations, enfin quant aux valeurs des et aux données des données qu'on m'affiche à l'écran, par exemple le C, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Voilà. Point barre. Enfin, ne faisons pas dans les choses trop compliquées. Le C, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça correspond. Alors. On y arrive. On va empocher ça. Et là, on aura fait un bon petit pas vers les quelques millions, les 8-9 millions qu'il nous fallait pour le Vulture. Alors, si je rappelle, si je prends tout cet argent-là, c'est pour pouvoir payer, ben, au cas où, la réparation. Et lui donner un bon équipement de base, en fait, tout simplement. Tout le monde pense que c'est beaucoup. Ben, je m'arrêterai à 7 millions. Au moins, on l'achètera à 7 millions, quitte à ne pas l'utiliser avant les 8 millions. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Aussi, petite question comme ça, je demande à ceux qui suivent l'actualité du jeu Ark Survival Evolved si certains sont au courant à peu près de comment ça évolue au niveau de l'optimisation. J'aimerais bien être au courant. Voilà, merci. Hop. Merci. Par où c'est que c'est?
C'est par là. Hop. Voilà, entrons dans le hangar, service de spatioport, et allons voir. Faisons le plein. Tableau d'affichage, non, je me suis complètement planté, c'était dans les contacts. Hop. Récompense de... Oh putain, j'ai eu un bug. Oh, j'ai bugué, j'ai vu le truc, j'ai fait zéro, je fais... Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah écoutez les amis, c'est sur ce petit, sur petite surprise à la con qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.